Il est 22h hier, TV5 Monde diffuse normalement ses programmes quand soudain, l'écran devient bleu, la chaîne vient en fait d'être piratée. L'ampleur de la cyberattaque est extrêmement puissante puisque tous nos firewalls et tous nos services de sécurisation qui avaient été validés comme étant extrêmement performants ont été contournés absolument d'un seul coup. Le piratage est revendiqué par des personnes qui disent appartenir à l'État islamique. Les réseaux sociaux de TV5 Monde et son site internet ont également été attaqués. Sur la page Facebook de la chaîne apparaît alors durant plus de 2 heures un message de propagande. Il accuse François Hollande d'avoir commis une faute impardonnable en menant une guerre qui ne sert à rien. C'est pour ça, disent les pirates, que les Français ont reçu les cadeaux de janvier à Charlie Hebdo et à l'hypercachère. Visée, l'intervention française en Irak et en Syrie. Les autorités françaises ont été immédiatement alertées. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères sont prévenus. On est en contact avec eux pour des recommandations, pour de l'aide, technique et informatique. Selon les dirigeants de la chaîne, le retour des programmes devrait encore prendre plusieurs heures. TV5 Monde est reçu dans plus de 200 pays.